la bombe est tombée. Paul Pogba va rejouer au football. Suspendu 4 ans pour dopage après un contrôle positif. En août 2023, la pioche avait fait appel de cette décision en expliquant qu'il avait ingéré cette substance interdite sans le faire exprès. Et le tribunal arbitral du sport lui a donné raison. Il a vu sa peine être réduite à seulement 18 mois. Pogba pourra donc revenir à l'entraînement en janvier prochain et rejouer un match officiel en mars 2025. Dans un post Instagram, Pogba a affiché son objectif: retrouver la compétition et rejouer à nouveau avec l'équipe de France. Bon, on sait quand va rejouer le champion du monde 2018, la question à présent est de savoir où. Déjà, cela ne sera probablement pas la Juventus, puisque le club italien, pour des raisons économiques et sportives, ne souhaite pas le conserver. Le joueur partage cette envie de séparation et les deux parties ont entamé des discussions pour résilier son contrat, qui courait jusqu'en 2026, selon les informations de Fabrizio Romano. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux s'emballent et que le nom de Pogba soit lié à plusieurs clubs. Si son nom a été cité en Russie, en MLS et en Arabie Saoudite, une rumeur a retenu l'attention en France. La signature de Pogba à l'OM. Vous êtes plus de la moitié sur 10 000 votants à croire à cette destination, d'après ce sondage sur notre site internet. Si cette idée paraît impensable à première vue, il y a en réalité plusieurs raisons d'y croire. La Provence confirme en tout cas que l'international français discute régulièrement avec Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM. Les deux entretiennent une bonne relation et se connaissent de longue date, depuis l'époque de la Juve. On le sait, l'OM est en train de construire un projet ambitieux sous la houlette du duo Longoria-Benatia. La direction a déjà prouvé qu'elle était capable de faire de gros coups sur le mercato. Rien ne semble lui résister. En témoignent les transferts de Mason Greenwood, énorme talent anglais de Manchester United et surtout Adrien Rabiot, que personne n'imaginait signer à Marseille. Des joueurs en pleine forme de l'âge mais qui ont malgré tout signé dans le sud, contre toute attente alors qu'on les imaginait plus haut. L'OM a profité d'un contexte favorable pour signer les deux et pourrait en faire de même avec Pogba. En plus, cette signature aurait un impact médiatique dingue pour le club et surtout la Ligue 1, qui a du mal à se vendre par manque de stars. Je vais pas vous refaire la chanson des droits TV. Le projet olympien mené par Roberto De Zerbi est un argument supplémentaire. Grâce à sa simple présence, l'OM a gagné en attractivité. Sans De Zerbi, difficile d'imaginer Rabiot ou Greenwood à l'OM. Sa cote de popularité est un atout indéniable pour signer des grands noms. Il est capable de convaincre Pogba. Difficile à dire s'il est intéressé par son arrivée, mais une chose est certaine, la direction sera prête à lui offrir si l'Italien le demande. En plus, l'équipe ne tourne pas hyper bien en attaque. Il faut alimenter Greenwood de ballons et ça, Pogba peut le faire. Voilà ce que déclarait Longoria au sujet de possibles renforts en août dernier. À dire la vérité, dans la date actuelle, encore numériquement, on a un déficit de joueurs sur le secteur offensif. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est quelque chose dans lequel on est conscient. On discute avec l'entraîneur. Tout le monde, on est conscient maintenant de toutes les différentes nécessités pour compléter l'effectif. Ce qu'on cherche comme dirigeant du club, c'est de donner à l'entraîneur tous les outils nécessaires pour chercher d'être compétitif. À niveau numérique, quelques joueurs en plus offensifs, ça nous ferait quand même du bien. L'avantage pour lui, avec une signature à l'OM, c'est qu'il ne devrait pas manquer de temps de jeu. Pogba est un milieu de terrain complet, capable de s'intégrer dans le double pivot, aux côtés de Højbjerg et Rabiot. Il pourrait aussi évoluer un cran plus haut, en numéro 10 dans le 4-2-3-1 de De Zerbi. Surtout vu le faible niveau d'Harit et la blessure au ligament croisé de Valentin Carboni avec l'Argentine, qui va l'écarter toute la saison. S'il enchaîne les rencontres, peu de doute quant à un retour chez les Bleus. Son objectif ultime dans sa fin de carrière, lui qui rêve de jouer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, un pays qu'il affectionne particulièrement. Si Dédé a rappelé Kanté alors qu'il évolue en Arabie Saoudite, on peut imaginer que Pogba connaisse le même sort. Alors que l'équipe de France est en pleine tempête et souffre d'un manque de leader, faire revenir la pieuvre répondrait à ce besoin. Paul Pogba bénéficie en plus de la validation de Didier Deschamps. Le sélectionneur était l'un des premiers et plus fidèles soutiens depuis sa sanction pour dopage. Je l'ai eu assez longuement au téléphone, comme durant toute cette période qui a été très compliquée pour lui. Je n'imagine pas un seul instant que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper. Pour bien le connaître, je sais que ce n'est pas du tout son état d'esprit. Maintenant, il y a les faits et ce que révèlent les deux prélèvements effectués. Paul va devoir mener un nouveau combat pour se défendre. Malgré sa suspension, il a été invité par la FFF à assister au 8ème de finale des Bleus contre la Belgique à l'Euro 2024. Preuve qu'il fait toujours partie de la famille. Autre argument qui plaide en faveur d'une arrivée à l'OM, c'est la cote de popularité de Paul Pogba. Il faut être réaliste.
Parmi l'ensemble des rumeurs de transfert qui circulent, aucune ne provient de cadres européens comme le Real Madrid, City ou le Bayern. Sans jouer pendant 2 ans, difficile pour le joueur de prétendre rejoindre un cador. Si l'OM se manifeste, difficile pour lui aussi de viser plus haut. Cette opportunité serait même assez inespérée vu sa situation et il pourrait en avoir conscience. En plus, Pogba ainsi que sa famille n'ont jamais caché leur amour pour le club olympien. Vous aviez des idoles, des joueurs dans le championnat qui vous faisaient un peu rêver. En tant que jeune, c'était Marseille. Il y avait Drogba, Ribéry, Mandanda, il y avait aussi Nasri. Déjà j'avais un maillot de Marseille. Moi je voulais le floquer, Paul ou Pogba, numéro 9. J'ai déjà acheté le maillot, c'était cher pour nous et le flocage encore plus. Donc j'ai juste pris le maillot avec le shirt et je suis rentré. J'ai demandé à ma mère m'a fait un flocage, elle a cousu avec un bleu clair. Comme si ça suffisait pas, il en a même remis une couche au Canal Football Club. Mon père était parisien, mais supporter de Marseille. Ma mère était supporter de Marseille. Paris, c'était pas trop dans mon quotidien, on va dire. Un de ses grands amis et ancien coéquipier, Patrice Evra, souhaite que sa carrière se relance. Passé à Marseille en fin de carrière, il connaît également bien le club et les dirigeants, notamment Benatia. Et Pogba pourra compter sur son ami, qui a fait passer son CV au club phocéen. C'est le moment de tourner la page, de prendre des énergies positives. C'est pour ça que je vais appeler Mehdi Benatia, je vais lui dire que les portes sont ouvertes. Ils ont joué ensemble, ça va faciliter les choses. Et voici ce qu'a dit Pogba par rapport à la déclat d'Evra et cette fameuse rumeur OM. Je rigole parce que c'est tonton pote. Non, il a dit ça en rigolant, bien sûr, vous le connaissez. C'est pas crédible. Je suis encore sous contrat, donc c'est pas crédible. C'est pas quelque chose que j'ai pensé, comme j'étais entre guillemets suspendu, et là je reviens, je suis dans un club, donc bon, moi je pensais juste à revenir déjà, sortir de cette situation, et c'est tout. Et un jour dans ta carrière, bon. Ah, pourquoi pas? On ne sait pas ce qui est fait demain, pourquoi pas jouer en Ligue 1, c'est quelque chose que je suis obligé de dire non. Aucun démenti sur sa venue à Marseille et un sourire en supplément, qui cache peut-être quelque chose. En tout cas, chance pour le joueur, c'est que Longoria entretient de bonnes relations avec la Juve, club qu'il a fréquenté en tant que directeur de recrutement entre 2015 et 2018. Si des futures négociations interviennent, elles pourront être facilitées. Finalement, on n'a pas de doute sur le fait que les Marseillais seraient ravis d'accueillir Pogba au club. Mais si on est honnête, il faut dire que plusieurs zones d'ombre existent le concernant. A commencer par son état physique, qui est une interrogation légitime. Même si le joueur assure s'être entraîné pendant sa suspension, son dernier match remonte à septembre 2023, avec une maigre entrée en jeu face à Empoli. Puis plus largement, quand on passe autant de temps sans jouer, difficile de revenir à bon niveau. Les exemples de gros comebacks se comptent tout juste sur les doigts d'une main. Par contre, des ratés après une pause, il y en a légion. On peut prendre l'exemple de l'un de ses coéquipiers de sélection, Benjamin Mendy. Longtemps hors des terrains en attendant le verdict de son procès, son retour à Lorient est un échec. Puis on le sait bien, avant sa suspension, Pogba était souvent blessé. Il est fragile et peut se péter à tout moment, encore plus après une si longue absence. Son salaire peut être également un frein. À la Juve, il touchait un salaire de 8 millions d'euros nets annuels. Un salaire XXL sur lequel l'OM ne peut pas s'aligner, encore plus après les grosses dépenses sur le mercato estival 2024. Un contrat dans lequel Pogba serait payé en fonction du nombre de matchs joués est une alternative plausible pour que chaque partie trouve son bonheur et que cette opération aboutisse. À voir maintenant si Marseille a vraiment besoin de lui. Ajouter un élément en plein milieu de la saison, en mars, alors que ton équipe sera probablement rodée d'ici là et risquer de chambouler la hiérarchie, ce n'est peut-être pas le move à faire. Quoi qu'il en soit, on devrait en savoir plus sur le futur du Français dans les semaines à venir. Et pour vous les amis, pensez-vous que Paul Pogba à l'OM soit une bonne idée? On vous attend nombreux en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas fait. Merci de votre fidélité et à très vite sur Foot Mercato FC. Ciao ciao!